Donc j'ai acheté une maison 4 chambres à Liège, donc plutôt dans le quartier Saint-Léonard. Quartier qui est en plein développement. Il y a un écoquartier qui va se faire en ce moment. Et il y a aussi la construction du tram qui va normalement apparaître dans les 1-2 ans. Donc qui va aussi aider à la localisation du bien. Donc c'est une maison 4 chambres avec vraiment pas mal de potentiel au niveau de l'espace. Alors, j'ai commencé l'accompagnement en novembre 2019 et nous sommes en juin 2020. Pourquoi? Parce que j'ai d'abord, dans un premier temps, je me suis renseigné moi-même de mon côté, vraiment en collectant le plus d'informations. Donc on était vraiment dans une phase de quantité plutôt. J'ai pu assister du coup à des conférences notamment sur l'immobilier. Et puis ensuite, à un moment donné, j'ai senti qu'il me fallait plus du qualitatif. Donc vraiment entrer dans les détails sur des questions plus pointues, plus précises, par rapport à ma situation, par rapport à vraiment une offre personnalisée. Donc c'est là que l'offre de coaching a semblé plus pertinente en tout cas. Et parmi l'offre, ben, le coaching d'Élodie me semblait vraiment approprié. Tout à fait, je le recommande à 200%. Pourquoi? Je dirais que il y a le fait que Élodie vous prend complètement au sérieux en fait. Peu importe le projet que vous amenez, il se peut que vous n'ayez pas forcément toutes les connaissances, c'est pour ça que vous prenez un coaching. Mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle prend au sérieux votre demande et elle va vous épauler vraiment de A à Z. Donc ça, c'est une première raison. Et ensuite, c'est que c'est du coaching. Donc c'est-à-dire qu'elle va vous responsabiliser pour passer à l'action. Donc du coup, elle ne va pas vous courir après, en tout cas ad vitam aeternam, mais elle va vraiment vous donner les outils en main pour que vous agissiez le plus possible. Et ça, c'est ce dont j'ai besoin, et c'est aussi en fonction de ma personnalité, donc ça marche du tonnerre. Alors bonjour à vous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle étude des cas. Cette fois-ci, nous sommes à Liège, dans le quartier de Saint-Léonard, et nous sommes dans une maison unifamiliale que Quentin, que j'ai le plaisir d'accompagner en coaching, a acheté. Et donc, sans plus tarder, je vous propose, eh bien, de commencer à découvrir avec moi la maison. Donc c'est une maison du coup 4 chambres unifamiliales avec une superficie de 194 mètres carrés. Donc des grands volumes et un grand potentiel. Il y a surtout du rafraîchissement à faire. Donc ici, on a une cuisine qui est pratiquement nickel, que je ne vais pas retoucher. Mais du coup, entre cette cuisine et le salon, on voit qu'il y a un petit muret que je vais détruire en fait pour permettre l'accès à la cuisine directement par le salon. Et du coup, bah justement, par rapport à cette cuisine, en fait, c'était une annexe, hein, tu avais expliqué du coup, qui avait été construite. Et justement, bah, point important, quand vous achetez un bien immobilier, que vous avez un doute sur la régularité de l'annexe, donc là où je me trouve actuellement, bah, n'hésitez pas à mettre une clause justement dans votre offre de crédit qui ensuite se met dans votre compromis, qu'au cas où il y ait une infraction urbanistique, donc que cette annexe ne serait pas en ordre de permis, eh bien vous pouvez sortir de la vente. Puisque en fonction de ce que vous devez faire, eh bien l'urbanisme peut la régulariser. Elle peut également décider de vous demander eh bien une amende ou encore elle peut demander que ça revienne à l'identique et donc détruire par exemple dans ce cas-ci cette partie-ci en fait et retrouver la cour qu'on avait avant. Donc dans le cas de Quentin, heureusement ça s'est bien terminé, ça a pris du temps, c'est vrai, mais il avait la clause au cas où pour pouvoir sortir si jamais. Donc très très important pour vous qui nous regardez, mettez bien une clause justement dès que vous avez des annexes ou dès qu'il y a quelque chose qui peut attirer votre attention au niveau de l'urbanisme. Et je rajouterai également que d'autant plus que le revenu cadastral de la maison était affiché à 718 euros. Il faut savoir qu'en Wallonie, en tout cas, nous pouvons bénéficier d'une réduction sur les droits d'enregistrement si le revenu cadastral est en dessous de 745 euros. Ici, vu que la cuisine a dû être ajoutée, il y avait aussi une question à fixer de est-ce que le revenu cadastral allait être revu à la hausse ou pas. Ceci aussi a pris du temps, mais du coup ça a fait l'objet également d'une clause suspensive dans le compromis.
finalement, tout est bien qui finit bien parce que le revenu cadastral n'a pas été revu à la hausse ni à la baisse, il a été laissé tel quel, donc je bénéficie bien de la réduction. Donc là, du coup, nous allons vraiment créer la deuxième salle de douche, en fait. Vous voyez sur la gauche, du coup, une entrée qui est la cuisine, qui va être une cloison qu'on va refaire. Au fond de la pièce, on a un WC qui va rester là. Et puis sur la droite, on a deux petites portes qui sont des placards, dont une avec une surprise à l'intérieur. Donc ces deux placards vont être supprimés et donc ça va nous permettre d'avoir une deuxième salle de douche d'un petit peu moins de 4 mètres carrés qui va comporter une cloison porte de douche et tout le confort nécessaire pour les étudiants. Je voudrais rajouter que justement en fait ici c'est intéressant de voir que donc c'est bien deux placards hein, qu'on a en fait et c'est vrai que bon, on peut se poser la question de dire tiens est-ce qu'on garderait ces placards ou pas, mais justement quand on est dans un projet de colocation 4 personnes bah, pour le confort et pour aussi les rentrées locatives c'est toujours mieux évidemment d'avoir deux salles de bain et donc en fait c'est toujours intéressant quand vous devez créer une salle d'eau de repartir de là où en fait il y a déjà les arrivées et les évacuations d'eau qui sont existantes. Donc on voit ici clairement que bah, il y avait le WC, donc arrivée, évacuation, on était proche d'une cuisine. Et donc en termes de coût, vous allez optimiser en fait vos travaux si vous repartez d'ici, plutôt par exemple de créer une salle de douche qui est dans une chambre où on va devoir faire monter les arrivées et les évacuations. Et donc ici, bah, dans le cadre du bien de Quentin, c'était intéressant puisque non seulement on a des petits placards qu'on peut également appeler mètre carré cash flow, qu'on peut enlever, on peut récupérer de l'espace et en fait tout se mettrait bien au niveau à la fois de l'espace, également des arrivées et des évacuations de l'eau. Donc ne vous braquez pas, si vous voulez faire une colocation et que vous ne savez pas du coup comment créer une deuxième salle de bain, regardez toujours ce qui est existant, faites-vous aider au préalable et vous allez voir qu'à moindre coût, vous allez dans certains cas pouvoir trouver une solution. En effet, je rajouterais aussi que l'idée de créer la deuxième salle de bain ici, en fait, je ne l'ai pas eu tout de suite. C'est vraiment en discutant avec l'agent immobilier, l'entrepreneur, que je suis arrivé à cette idée-là. Parce qu'à la base, j'hésitais à créer mettre une cabine de douche en fait, dans une des chambres pour permettre à un étudiant d'avoir sa douche à lui et puis peut-être aux trois autres, voire aux deux autres, d'avoir aussi de bénéficier à la salle de bain. Mais voilà, en discussion, je préférais finalement rentabiliser aussi. Donc ici, au niveau des deux chambres, il y a deux plateaux, donc par plateau, deux chambres. Deux de 15 mètres carrés, ici on voit celle de 15 mètres carrés. Donc encore une fois, pas énormément de travaux, vraiment rafraîchissement. Les sols et les murs et plafonds, mais au-delà de ça, vraiment pas d'autre chose à faire. Et ça, c'est équivalent à trois chambres sur quatre. Une où le sol est vraiment déjà posé et n'est pas à refaire, donc c'est très peu de choses à faire finalement. Et moi, je n'ai jamais fait de travaux. Ça me donne l'occasion d'y mettre les mains à la pâte, comme on dit, et à la fois de diminuer le coût du devis. Donc c'est tout bénef. J'apprends et je m'enrichis. Et donc ici, c'est l'autre chambre qui fait du coup 22 mètres carrés. Donc vraiment des grandes superficies de chambres, puisqu'on a deux chambres de 22 mètres carrés et deux de 15 mètres carrés. Et donc ici, on le voit, hop, bah c'est du lino, on sait facilement l'enlever. Et quand vous avez ce genre de sol, c'est toujours intéressant de voir justement ce qu'il y a en dessous. Parce que ici, on voit en fait qu'on a encore du lino, mais tout en dessous, on a du parquet en fait. Et on va vous le montrer à la dernière chambre. Et c'est intéressant parce que justement, avec ce parquet, donc vous pouvez le poncer, vous pouvez le vernir. Et ça vous fait en fait un parquet ancien avec un cachet certain. Et surtout, ça vous évite des coûts supplémentaires. Donc n'hésitez pas, quand vous avez ce type de sol, à regarder ce qu'il se cache en dessous. Ça vous évitera de devoir soit mettre du carrelage, soit remettre du parquet dessus. Ici, on a une petite terrasse, mais qui vraiment peut être super sympathique. Bon, évidemment, on va rajouter un garde-corps, puisque elle est petite et on peut facilement glisser à côté, donc ce serait un peu dommage. Mais une fois le garde-corps placé, je pense que ça va vraiment être super chouette, puisque la vue est vraiment dégagée. Il n'y a pas trop de bâtiments aux alentours, donc ça fera plaisir. Ici, on est donc dans la troisième chambre. C'est celle qui est la plus récente et la plus jolie à regarder. Donc, il n'y a vraiment pas grand-chose à faire ici. Juste le papier peint à remplacer. Même s'il est chaleureux, il faut, quand on fait en colocation, plaire au plus grand nombre, je pense. Donc, mettre une couleur qui soit plus neutre que
que ces belles couleurs, même si elles peuvent plaire à certaines personnes. Et quant au sol, je vais le laisser comme ça, puisque comme vous le voyez, il est vraiment très bien. Pareil pour cette chambre, on est vraiment dans la même superficie que celle vue en bas. C'est vraiment celle juste au-dessus, donc 15 mètres carrés. Donc ici, on est vraiment dans la dernière chambre. Quatrième chambre, pareil que celle d'en bas encore, 22 mètres carrés, donc grande superficie. Le sol est à remplacer, le papier peint et le plafond aussi. Mais si ce n'est ça, elle est dans un très bon état. Tout à fait. Et justement, pour rebondir sur ce que je disais dans les chambres précédentes, on voit par exemple ici qu'avec le lino, en fait, on est directement sur le parquet. Et donc, en fait, bah, ce serait dommage quand on a du beau parquet en bois massif qui a été bien entretenu, etc., de ne pas l'utiliser. Et donc, bah, ici, forcément, ça va dépendre de ce qu'on va trouver et des éventuelles surprises, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Mais si c'est une bonne surprise, eh bien, on le ponce, on le vernit et on l'utilise comme ça et ça fait des frais en moins et ça apporte plus de cachet à la chambre. Alors, en termes de travaux, il n'y a pas énormément à faire, donc c'est surtout du rafraîchissement. J'ai pour le plus gros poste une deuxième salle de bain à créer, puisque pour 4 personnes, une salle de bain, ça me semblait un peu streux, comme on dit à Liège. Donc principalement la salle de bain et ensuite c'est vraiment pas mal de rafraîchissement. Donc les peintures des murs, du plafond, rénover les chambres par rapport au sol, donc le lino, l'enlever, remettre du parquet, reprendre l'escalier, voilà. Donc là on est sur environ 2 à 3 mois, mais incluant les congés du bâtiment qui ont lieu en plein milieu de la durée des travaux. Donc il va y avoir une phase avant les congés du bâtiment et une phase après. Mais s'il n'y avait pas eu ces congés du bâtiment, on aurait été sur une durée de un mois et demi pour le tout. Donc j'ai un financement à 100% côté maison et au niveau des travaux qui sont inclus dans le financement, la banque a pu me permettre d'aller jusqu'à 75% du financement pour les travaux. Je vais conseiller d'être vraiment patient. En tout cas, là, dans cette période-ci de Corona, c'était assez compliqué pour avancer. Mais de vraiment être patient et de rien lâcher parce que vraiment, ça en vaut la peine. Là, je viens de signer hier l'acte, donc c'est vraiment tout frais. Mais je me réjouis d'être dans les travaux et de mettre en location, en fait. Donc de rien lâcher, d'être patient. Et puis de vous former le plus possible pour ne pas faire des erreurs, ou trop d'erreurs en tout cas, vous en ferez de toute façon, mais qu'elle soit le minimum. Dans une maison, on a parfois des petites surprises, et ici, la petite surprise assez insolite, c'est le coffre-fort qui est dans la cave, qui n'a jamais été ouvert, et qui à mon avis date de la création de la maison, donc vers 1918. À bon entendeur, si quelqu'un réussit à ouvrir ce coffre, on peut jouer à l'escape room ou ce genre de choses. Ici, on est dans la cave de la maison. On voit même que la cave est vraiment en scène, il n'y a aucune humidité. C'est ce qui m'a plu aussi dans la maison. Vraiment, pour moi, c'était des critères essentiels. La structure, qu'elle soit vraiment saine, aucune humidité. Donc pour commencer, pour moi, c'était vraiment le primordial. Ici, par exemple, la chaudière a été remplacée en 2016, donc c'est vraiment tout récent. Et au niveau des superficies pour la cave, on a 3 grandes pièces, ce qui permettra de vraiment faire un coin à buanderie pour les étudiants qui n'ont pas besoin du coup de rentrer chez leurs parents le week-end. Encore dans la cave, et on voit vraiment qu'avant, c'était une petite cour avec des escaliers, comme vous voyez. Et au-dessus, en fait, c'est la fameuse cuisine qui a été construite par après. Et qui a demandé à être régularisé. Donc ici, on est vraiment sur une annexe qui a été construite par la suite. Encore une fois, dans la cave, on a vraiment des grands espaces. Ici, je pourrais me permettre de mettre du matériel, de fermer la porte pour ne pas que les étudiants aient accès, et moi, d'avoir un coin avec le nécessaire, par exemple, pour la femme de ménage qui entrepose ses outils, par exemple. Ou des outils de construction en cas de problème ou ce genre de choses. Donc ici, de pair avec la chaudière qui était vraiment récente, un entrepreneur est venu aussi pour vérifier, enfin, moi de mon côté, personnellement, en fait,
Je ne connais pas grand-chose aux travaux, aux installations électriques, de gaz et autres. Donc, quand j'ai fait venir l'entrepreneur pour une contre-visite de la maison avant de remettre une offre, j'en ai profité pour lui demander justement de vérifier un peu, tant qu'on était là ensemble, l'état des installations. Et il a pu me dire effectivement que tout était vraiment correct. Bon, évidemment, l'électricité est à remettre en conformité dans ce genre de maison, ça arrive souvent. Mais outre ceci, l'état des installations était vraiment plus que correct. Donc du coup, vous avez découvert aujourd'hui la colocation, enfin la future colocation que Quentin a achetée. Ce qui est important de retenir dans la visite qu'on a vue aujourd'hui, c'est qu'en fait, on peut totalement faire des bonnes affaires en les trouvant sur Internet. Souvent, j'entends plein de personnes qui me disent « Élodie, c'est plus possible, il me faut du off-market, tout ce qui est sur le marché est déjà pris, tout ce qui est bien et tout ce qui reste en fait ne va pas convenir pour mon projet de location. » Eh bien, c'est totalement faux puisque le bien de Quentin nous montre qu'en fait, c'était un bien qui ne se vendait pas depuis des mois et pourtant, vous le verrez dans la deuxième partie de la vidéo parce que dans cette deuxième partie, on va vous révéler eh bien, l'envers du décor des travaux, on va vous parler un petit peu plus de chiffres, vous allez voir également le résultat. Mais vous verrez justement que c'est un projet qui a beaucoup de potentiel et vraiment qui n'avait juste pas été optimisé et pas bien pensé de la part des personnes qui sont venues le visiter précédemment. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que souvent, on vous montre des habitations, des maisons, appartements, immeubles où il y a beaucoup de travaux. Et en fait, on se rend compte que bah, parfois, certaines personnes, peut-être même vous qui me regardez maintenant, vous n'avez pas envie en fait de faire des travaux. Et vous vous dites, mais comment est-ce que je vais faire pour générer du cash flow, pour avoir une bonne affaire? Et on le voit très bien ici que dans le bien de Quentin, eh bien, il est en très bon état et justement, il n'y a pas trop de travaux à faire. Donc, c'est important aussi de vous écouter. Et si vous ne vous sentez pas capable pour une première ou une deuxième opération de faire des travaux ou tout simplement que vous n'aimez pas ça, pas de souci, prenez quelque chose qui vous ressemble, c'est possible et ça va très bien se passer. Et le troisième et dernier point qui est important de retenir, c'est que pour contextualiser la chose, Quentin a rejoint l'accompagnement de coaching en novembre 2019. Nous sommes actuellement en juin 2020, alors il y a eu le confinement, le Covid qui a grandement retardé de plusieurs mois l'acquisition. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que Quentin est rentré dans le processus de coaching en novembre et en janvier, il a fait cette offre pour cette maison. S'en est suivi une phase de négociation et puis elle a été acceptée. Donc, quand vous avez un objectif qui vous tient à cœur, quand vous avez envie d'investir, de matérialiser un projet, sincèrement, ce n'est qu'une question de temps, de résilience et d'action. Quentin a visité des maisons, il s'est formé, il s'est fait accompagner et le résultat, c'est que assez rapidement, il a pu trouver ce qu'il souhaitait. Et c'est le cas de nombreuses autres personnes, mais je vois trop de personnes malheureusement qui procrastinent, qui pensent que c'est pas possible, que ça va prendre des mois et des mois, alors que non, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais vraiment ce concept d'AMS, d'action massive et stratégique, ça paye. Donc vraiment retenez que si ça a été possible pour Quentin, pour Ellie, pour Yannick, pour d'autres personnes que vous allez découvrir très prochainement également en étude de cas sur la chaîne, pour moi-même également, ça sera possible pour vous aussi. Donc de mon côté, eh bien, je vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles études de cas, pour de nouvelles vidéos et on se retrouvera pour la deuxième partie de cette étude de cas-ci dans quelques mois quand le bien de Quentin sera fin prêt à être mis en location. En attendant, prenez soin de vous. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout de la vidéo, c'est qu'il est fort à parier que l'investissement immobilier en Belgique vous intéresse. C'est pourquoi je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube afin de ne manquer sous aucun prétexte les prochaines vidéos exceptionnelles qui vont être publiées. Mais également, surtout, ne repartez pas sans votre cadeau offert. Pour cela, rien de plus simple, il vous suffit de cliquer juste en dessous de la vidéo sur le lien et vous allez accéder directement au cadeau que je vous offre et qui va grandement vous aider lors de votre demande de financement. En attendant, je vous dis à très vite, prenez soin de vous et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures.